Hey, salut à tous, c'est Nozband qui vous parle comme ça, moi je vais super bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Euro Truck Simulator 2. J'étais de quel côté de la frontière? Ah voilà. J'étais côté on roule à droite, très bien. Oui non mais va te faire foutre mec, c'est bon, tu me vois tourner, tu te stoppes. Hein? Personne ne fait ça en vrai, hein, de continuer à rouler alors que t'as un camion qui essaie de te passer devant. Je veux bien que j'ai coupé la priorité, mais fuck à un moment donné. L'IA de ce jeu est complètement débile. On est toujours sur Transbase, hein, pour ceux qui se poseraient la question, et on revient. Voilà, re les gens, excusez-moi pour cette légère coupure. Je devais aller manger. Ce que j'ai fait, j'étais en train de me demander est-ce que je fais le... Ah, comment on dit? Le trajet jusqu'au bout? Ouais, allez. Ah, c'est l'autre con qui m'a rentré dedans, là. Allez, passe au vert. Passe au vert. Passe au vert. Merde, j'ai plus le klaxon. Je voulais imiter le joueur du grenier, c'était un fail. Allez. Allez. Merci. Oh, il y a un autre feu juste là-bas. C'est génial. Oh là là. Allez, vert, vert, allez, c'est quand tu veux que ça passe au vert, hein. Putain, il y a du monde sur la route aujourd'hui. Il y a vraiment du monde sur la route aujourd'hui, hein. Allez, ça repasse au rouge là-bas, vas-y, ça peut passer au vert ici maintenant. Merci. C'est gentil. Voilà. Waouh, ça c'est de la petite route. Putain, ça grimpe. Ça grimpe sec. Mon camion il a du mal. Allez, tu peux le faire, petit camion. Allez, on se met à 120, vu qu'il n'y a pas de limite. Apparemment, je dois ressortir tout de suite. Ou pas. Ou pas. Ah oui. Oui, oui, je dois ressortir tout de suite. Help tunnel. 3 km le tunnel, hein. Ouais non, c'est pas 3 km ça. Quoique. Bon, c'était écrit 100, donc on va se limiter à 100. Quoique là, mon camion, il est en descente, donc il a du mal à se limiter à 100, hein, mais... on va dire que je suis à 100. Globalement. Allez. 622 km, on peut faire ça d'une traite, y'a pas de souci. Ausfahrt. Fait toujours rire ce mot parce que fart en anglais ça veut dire paix. Et house avec un H ça fait maison. Hein. Donc moi je lis toujours ça comme maison du paix. J'ai pas envie d'y aller. Ça doit puer par là-bas. Oui j'ai un humour très juvénile. Est-ce que vous avez quelque chose contre mon humour très juvénile? Hein? Très bien mon humour juvénile. Ce camion là qui est sur la voie de gauche, il fait plus chier qu'autre chose. Avancez un peu plus que je puisse le dépasser, s'il vous plaît.
Non mais c'est pas vrai! Putain, mais réaccélère pas, enculé! Mais fous-toi sur la voie de droite, fais quelque chose! Non mais c'est pas vrai, hein! Ça, c'est fait exprès de la part des développeurs! Juste pour te forcer à attendre comme un trou du cul! Bon, fuck. Voilà. Bon, maintenant, tu vas me laisser te dépasser. Ne continue pas d'accélérer, enculé. Non, non, je vais pas me retrouver pris en sandwich. Vas-y. Je m'en fous, je vais lui faire une de ses queues de poisson à cet enculé. Allez, dégage. C'est bien, tu restes derrière. Voilà, là c'est pas une queue de poisson, j'ai le droit. Putain, il m'aura fait assez chier celui-là. Hein. Niveau essence, ouais. Je peux encore faire 2555 km. Ça va. Ma destination est à 560. Ça va plus ou moins. J'ajoute d'autres modes quand même. Je sais pas encore lesquels. Déjà le mode pour avoir de nouveau une blondasse à mes côtés et un chien empaillé, ce serait une bonne idée. Qu'est-ce que je pourrais ajouter comme mode? Des modes qui ajoutent d'autres trucs que de la pluie peut-être. Voir un mode qui ajoute des saisons, tiens. Tiens, ce serait pas con ça, ça doit exister je suppose. Ouais, des saisons, ce serait sympa. Je crois que je regarde, ouais, à la fin de cette vidéo, je vais aller regarder si je peux pas trouver un mode qui ajoute des saisons dans Rotrock. Si vous avez des idées de mode à me proposer dans les commentaires, ne vous gênez pas, hein, je suis toujours preneur. Parce que Rotrock, c'est un jeu que j'adore modder. Oui, ça me grattait. Ça, c'est un camion Stokes. Stokes, c'est un stalker. Lol. Ouais, si vous voulez une réflexion de ma part, hein, ce jeu-là, je crois que ça doit être le jeu que je fais le plus difficile à commenter. Je sais absolument pas quoi dire. Je conduis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je conduis, c'est tout. Et là, le défi que je me suis lancé, c'est plus ou moins de parler sans faire trop de pauses. Hein. Et c'est assez dur, je sais pas quoi dire. Là, il y a ces trucs sur les piquets que je sais pas ce que c'est, qu'on dirait des ordinateurs portables. Allez, revenez en arrière et regardez, hein. On aurait dit des écrans d'ordinateur portable collés. Toujours sympa. Et là, on arrive au Danemark, je crois. J'en sais rien, je crois que c'est le drapeau du Danemark. Je suis nul en drapeau. Confirmez-moi dans les commentaires si c'est bien le Danemark ou pas. On le voit sur la minimap, hein, en bas, sur le GPS. Et là, à droite, c'est Padborg. Ouais. Tu peux m'emmener tout ce que tu veux là-bas sauf des Borgs. Les Borgs, c'est pas autorisé. Ah, il paraît que c'est interdit de dépasser avec un camion ici. Il paraît. C'est bon à savoir, hein. Ah non, mais j'ai pas besoin de me mettre là, en fait. Je peux rester là. Je croyais que c'était une route à droite que je vais prendre, mais non, c'est juste les deux autoroutes qui passent pas exactement au même endroit. Bon, tu avances avec ta caisse de merde là où je te rentre dans le cul. Je suis sérieux là. Mec, avance. Bon, écoute, pas grave. Moi je m'en fous, hein. Pas de soucis. Et je me remets sur la voie de gauche avec une jolie queue de poisson pour le connard derrière moi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être un connard sur la route. J'aime ça. J'adore ça. Bah, je dis ça, mais de toutes les vidéos que j'ai vues sur Euro Truck Simulator 2, je suis un des mecs qui essaye encore le plus de respecter les limitations de vitesse. Ah, j'ai aussi vu des modes pour conduire des voitures, ce que je trouve absolument pas utile. Est-ce qu'il y a un truc qui fait que les civils roulent moins vite que les limites maintenant, ou... Sérieusement? Non, parce que là, ce mec-là, il est à 90. Va te faire foutre.
Écoute, c'est bien, mais moi je vais te dépasser par la droite, hein. C'est normalement pas autorisé, mais si sur la voie de dépassement t'arrives à être plus lent que la limite autorisée, c'est que t'es con. Attendez. Là, la route, elle est très bizarre sur le GPS. Je dois aller où? Ouais, par là, j'irai. Ouais, ça a l'air d'être par là, c'est cool. Faut le bon chemin tout de suite. Elle est cool, la musique qui passe sur Transbase, là. Ah oui, j'ai le temps de vous faire une vidéo complète et de l'encoder comme ça en faisant le trajet en entier parce que je suis en vacances actuellement, oui. Alors en vacances, là c'est le 12 mai, hein. Je sais pas quand c'est que vous verrez cette vidéo. Vu que je fais plus qu'une vidéo par jour en attendant de réussir à rattraper mon retard. Mais c'est bien possible que je sois plus en vacances au moment où cette vidéo elle sort. Mais là, le moment où je la fais, je suis en vacances et c'est cool. D'ailleurs, il va falloir que je trouve des nouveaux jeux à faire parce que en ce moment, ce qui me reste, c'est Ezio Symphonia, Skyrim et Euro Truck Simulator 2. Alors, je dis pas que c'est le mauvais jeu, hein. Mais bon, Skyrim, je le connais par cœur, mais c'est toujours ce fun à faire. Ezio Symphonia, on va dire que je le fais parce qu'il faut bien que je le finisse, même si j'en ai pas envie. Et Euro Truck, c'est sympa, mais je sais que c'est pas une des séries les plus regardées sur la chaîne. Clairement pas. Donc, du coup, je suis un peu partagé. Il y a Oddworld, l'Exode Deep que je voulais faire. Mais qui est une chiasse à enregistrer, qui tourne qu'en 640 par 480, alors ok. Par 480, pardon, alors ok, d'accord, j'ai eu l'habitude de ça sur PlayStation, mais sur un PC, écran Full HD de télé, c'est bon, ça fait un peu mal aux yeux. Il y a Beyond Good and Evil, qu'on doit faire des manipulations complètement absurdes pour que le jeu tourne correctement. C'est-à-dire, si t'actives une option, les graphismes sont trop rapides et le son est en retard, et si t'actives une autre option, le jeu lag complètement. Mais tu peux pas activer les deux en même temps pour synchroniser le truc. Alors oui, j'ai lu toutes les techniques, hein, qui font mettre le jeu sur un cœur du processeur, c'est ce que j'ai essayé. Qu'il fallait faire en sorte que le processeur soit toujours à 100%, ce que je ne vais pas faire parce que je veux pas réduire la durée de vie de mon processeur juste pour un putain de jeu. Et en gros, si je dois faire ce jeu, ce sera sur PS2. Là-bas, au moins, il tourne. Et surtout, je peux utiliser une manette. Parce que oui, il faut télécharger un programme à côté, hein, pour pouvoir utiliser une manette. Merci Ubisoft. Fait plaisir. Une plus mauvaise adaptation sur PC, je crois pas que c'était possible, hein. Enfin bref. Et il y a aussi Tomb Raider Anniversary qui, lui, n'a pas l'air de poser de problème. Donc ça risque d'arriver assez prochainement sur la chaîne. Ça risque d'arriver prochainement sur la chaîne, ça pourrait être sympa. En plus, c'est un remake de Tomb Raider 1 sur PlayStation. Un remake qui avait bien besoin d'être fait, parce que quand tu regardes la gueule de Lara sur Tomb Raider 1, ça fait un peu peur. Encore sur Tomb Raider 3, ça va, hein, c'est sain, tu pouvais plus t'empaler dessus. Mais bon, c'était encore légèrement pointu, tu pourrais quand même te planter une écharde, hein, je suis sûr. Voilà, Tomb Raider Anniversary, c'est un jeu que je veux faire. En plus, j'ai regardé un petit peu, il n'y a pas l'air d'y avoir d'énigmes trop relous, on progresse assez facilement. Et surtout, c'est un Tomb Raider classique, c'est pas un des reboots. Donc ça pourrait être sympa de jouer avec la Lara Croft d'origine, aussi. Enfin bref. Du coup, ouais, 314 km. J'adore mon petit rideau, je me demande s'il y a vraiment des camionneurs qui mettent ça sur leur camion. C'est un peu ridicule quand même, hein, quand tu regardes. Un poil. Mais juste un poil ridicule. Ouais, Swebus, on doit être en Suède, je suppose. J'ai dit le Danemark, mais c'est peut-être la Suède, en fait. Et je sais déjà plus quoi dire. Si, il y a un logo McDonald's et un logo Shell là-bas. Mon Dieu, je fais de la pub. Je fais de la pub. On pourrait s'arrêter au McDo. Enfin, je pourrais le faire si je mangeais de la viande. Ce que je ne fais plus. Vous savez, ce que je sais le pire, c'est que je suis sûr que en étant végétarien, hein. Bon, déjà, je suis assez étonné parce que
disons les mangeurs de viande contre lesquels je n'ai rien du tout, chacun ses choix de vie. Ils me font pas chier, mais je suis sûr qu'un jour, il y a un végétalien hein, qui va passer sur la vidéo et se rendre compte que je mange plus de viande mais que je mange encore d'autres produits animaux et qui va venir me faire chier dans les commentaires. Alors, tu peux me priver de beaucoup de choses au niveau bouffe, mais le fromage, je ne peux pas m'en passer. C'est absolument hors de question, j'ai besoin de fromage dans ma vie. Alors la viande, j'ai pas eu de mal à m'en séparer, mais alors le fromage, ça, je ne peux pas. Et en plus, tu t'imposes tellement de restrictions, en fait, quand tu manges absolument plus aucun produit à base de... fait par des animaux, en fait. Je veux dire, le miel, par exemple, tu oublies, c'est plus possible. Là, tout ce qui est fait, ne serait-ce qu'un tout petit peu par des animaux, tu oublies. Et, alors ça, je sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais... il paraît que les végétaliens doivent prendre des pilules du médecin ou autre parce que bah dans les trucs qui ne sont pas faits par les animaux, il n'y a pas tout ce dont on a besoin pour le corps. J'en sais rien si c'est vrai ou pas, je dis pas que c'est vrai, mais si c'est le cas, ça m'encourage encore moins à devenir végétalien. En plus, tes options au niveau bouffe, elles sont quand même vachement restreintes. Hein, Et en anglais, ça se dit vegan, je crois. Oui, oui, ralenti, c'est 90 ici. Bon, ben, faut que je quitte la route. On va se mettre sur la voie de droite. C'est marrant ça, je vais pas en Angleterre. Normalement, tous les chemins mènent en Angleterre. Et là, pas. C'est bizarre. En tout cas, ça va, Promote, ils ont l'air de s'être améliorés un peu parce qu'il y avait des... dans les premières versions de Promote que j'avais téléchargées, littéralement, t'avais des fois où tu butais contre des murs invisibles alors que, bah voilà, la route était pas fermée. C'était juste la route qui était mal raccordée et ça faisait bumper. Et tu prenais masse de dégâts sur ton camion et tu pouvais plus avancer. Et il n'y avait pas de chemin alternatif. C'était un peu con. Sinon, on pourrait avoir une limitation normale, là, parce que... C'est pas que 90 à l'heure c'est chiant, hein, mais tout comme. Bon, en même temps, je devrais arriver assez rapidement. On l'espère. C'est comme ces ponts là sous lesquels tu passes. Je sais pas, est-ce que j'ai déjà eu l'occasion d'être sur un? J'en sais rien. Mais ça me dit rien, il y a des éoliennes là-bas. C'est écologique, c'est bien. Je suis à 100% pour l'écologie. D'ailleurs, vous savez quoi? J'habite dans un petit village où il y a vraiment pas grand monde, hein, on va se le dire. Et le truc, c'est que même en habitant dans un petit village où il n'y a pas vraiment grand monde, il y a quand même des connards qui foutent leurs déchets par terre. Je supporte pas ça. Pour ceux qui se diraient, ouais, mais toi aussi, t'as probablement déjà mis des déchets par terre. Non, jamais. Non, non. Je mets tout dans mes poches, en fait. Ce qui fait que j'ai les poches remplies de déchets, hein. Mais voilà, c'est pas par terre. Et quand je trouve une poubelle, bah, je mets dans la poubelle. D'ailleurs, vous savez quoi, dans mon village, hein, village quand même que, bon, pas vraiment grand massif, hein, mais je veux dire, si tu fais tout le tour du village, ça te prend quand même une petite heure. Globalement, ouais, il n'y a qu'une seule poubelle dans tout le village. Une seule. Tu m'étonnes qu'il y ait des déchets par terre. Ah oui, et les motards, ça existe pas dans le jeu de base, hein, ça aussi, je tiens à vous le dire, là, je parle du jeu en troc, justement. Ça, c'est avec Promote que ça se fait. Et d'ailleurs, j'ai ajouté plein de modèles de bagnoles et de camions et de vraies marques parce que j'aime l'immersion dans les jeux. Et l'immersion dans les jeux, ça passe par les vraies marques et les trucs que tu connais. Je veux dire, c'est censé représenter la vie réelle. Alors oui, parce que j'ai réellement des gens qui m'ont dit que je faisais des placements produits avec ça. Non, non, je veux juste être immergé dans le jeu. Je veux dire, parce qu'à ce tarif-là, vous pouvez dire que on fait des placements produits à chaque fois qu'on prend la bagnole et qu'on regarde des marques et des pubs dans la rue. Voilà, vous faites des placements produits à votre cerveau, vous devriez avoir honte, rendez l'argent aux abonnés. Hein? Non, sérieusement, je fais pas de placement produit sur ma chaîne, et d'ailleurs, si je fais un placement produit un jour, vous serez au courant. Parce que je mettrai un truc avant la vidéo du genre, cette vidéo est sponsorisée par telle et telle marque. Mais globalement, de toute façon, bah, je suis déjà un youtubeur trop petit pour qu'il y ait une quelconque marque qui s'intéresse à moi, ça c'est évident. Et ensuite, ben voilà quoi, je veux dire, s'il y avait du placement produit sur la chaîne, je vous le signalerai.
Je suis pas du genre à cacher ce que je fais et... Non, non, je suis juste pas du genre à cacher ce que je fais. S'il y a un placement produit, je vous le dis. Donc toutes les marques que vous voyez dans ce let's play, c'est juste parce que j'ai envie d'un peu plus de réalisme. Genre McDo et Shell, là, c'est pas des placements produits et je m'en fous complètement de ces marques. Et d'ailleurs, en étant moi-même végétarien, je vais probablement pas faire des produits pour McDo. Hein, je veux dire, la base de McDo, c'est de la viande. Et donc, disons que je suis pas fan de McDo pour ça. Hein. Alors, j'étais fan quand j'étais plus petit, évidemment. Hein. C'est logique. Bon, par contre, il y a combien de... Ah, voilà, merci. C'est complètement paumé, là. Il y a combien de destinations possibles, ici? Oula. Il faut avoir le poteau, au moins. Et on va juste suivre la route. Wow, c'est serré, hein. Ouais. Je sais pas pourquoi il y a deux routes alternatives. En tout cas, je peux sortir par là. Très bien. Je suis à 22 km, c'est bien. De ce côté-là, il n'y a personne. Et de ce côté-là, il n'y a personne. Très bien. Et si j'en ai un qui me rentre dans le cul maintenant, je crie au bullshit. Allez, on se met à 50 et on atteint la destination. C'est pas très loin. Quoique, si, quand même. Je vois pas le point d'arrivée sur le GPS, donc c'est quand même à une certaine distance. Si on doit faire tout le trajet à 50, ouais, ça va prendre un peu de temps, effectivement. Pourquoi je me fais faire le tour de la ville là? Attends, faut vérifier un truc. Ouais, non, je vais suivre le GPS. Je vais quand même suivre mon GPS parce que ça me semble bizarre comment ça a été déroulé leur truc là. Mais il y a personne dans ce bled à la con. Très bien. Un autre camion qui me suit. Du moment qu'il ne dépasse pas, ça me va. Je connais cette zone. Je l'ai déjà faite. Je sais plus quand, peut-être dans une ancienne vidéo ou en solo. Mais j'ai déjà faite et c'est très joli. Et ça, il faut savoir que ça a été entièrement créé par Promote. Hein. C'était pas la base. Clairement pas. Ce qui reste assez impressionnant quand on y réfléchit. Ah putain, il faut que je me tape le feu rouge. Allez. Pourquoi il s'arrête aussi loin le bus là-bas? Oui, bah excuse-moi, mais je passe. Non, 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 tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes, enculé! Merci! C'est bon! J'étais prums! Putain, il allait me rentrer dedans, hein! Sérieusement! J'ai pas l'intention d'avoir qui que ce soit devant moi, là. Ah, ça y est, je commence à voir la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, j'en parle comme si c'était une course. Ouais, ça reste joli comme quoi, hein. Et ce que j'aime bien, c'est que Promote s'est basé sur des destinations, enfin sur des routes qui existent réellement. Les mecs ont mis plein de photos sur leur site, sur le site de Promote, hein, P-R-O-M-O-E-D-S, pour ceux qui voudraient aller voir, où en fait, où ils font des comparaisons entre les maps qu'ils ont fait dans le jeu et les maps réelles en fait. Les locations réelles. Et c'est cool. Moi j'aime. D'ailleurs pour ça que j'ai téléchargé ce mod, que je sais même plus comment je l'ai découvert en fait. Mais c'est pas grave. Ouais, j'espère qu'il y a personne qui arrive en face là, hein, parce que
Non, en fait, je suis jamais venu ici. Jamais livré ici. Ça, j'en suis certain. Et c'est 3, hein. Putain. Ouh là là, c'était 3, hein. Ouais, bah entrez, hein, je passe le stationnement automatique, t'es gentil. Allez, niveau... Oh putain, même pas le niveau, tant pis. Bon, on prend juste la prochaine mission. On regarde où elle est, si elle est assez proche, je la fais, si elle a des kilomètres, je la fais pas. Elle est à 1100 km, donc on la fait la prochaine fois. Me remettre à la sortie de ce petit chemin de merde là qui sent la noisette. Même à 50 à l'heure, c'est dangereux de faire cette route. Bien sympa, hein. Allez, on se met à l'intersection. À l'intersection, j'ai dit arrête d'avancer. On sauvegarde. Voilà. Et sur ce les gens, si cette vidéo elle vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, commenter, vous abonner, la partager sur vos réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter et la mettre en favori, tout ça me ferait énormément plaisir. Ou sinon joindre sur notre serveur Discord qui est dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir, allez bye. Un œil sur vous, je ne vous laisserai pas retourner à ses parents. Eh ben, t'as qu'à venir avec nous, ou es-tu de toute bonté? Quoi, t'es sérieux? T'es gentil avec les filles, pas vrai? Eh, sur les collettes, tu ne diras pas un mot à ce sujet, d'accord? Super,